Bonjour, c'est Amy. Je vais vous faire un tirage du jour. Alors, un tirage à 4 cartes. Voir un peu ce qui se dit aujourd'hui. Alors, je vais commencer. Je vais faire ma coupe. Alors. Alors, liberté et guerrière. Je suis quelqu'un d'assez libre. Et assez indépendante, prête à affronter tout ce qui peut se passer. Alors j'étale mes cartes, je vais en tirer 4. Alors, générosité, aromatique, guerrière, ressort la carte et la pose. Je suis quelqu'un de... Alors, je suis généreuse dans tout ce qui va pouvoir se passer. Hein. Je suis toujours là en train de comprendre, d'essayer de stabiliser les choses, d'être... Ou aussi de donner, de partager. Que ce soit dans les senteurs, que ce soit dans la cuisine, dans tout ce qui est... qui sont bons, qui ont envie de partage. Je suis assez combattante hein, sur tous les fronts hein, pour tout ce qui peut être amené à moi. Et là, j'ai envie de faire une pause. À un moment donné, on a envie de se poser, de réfléchir, de se comprendre. Alors, il y a la force, généreuse, mais avec force. Alors, dans ma générosité, j'ai la force. J'ai la force de... C'est une force que j'ai d'être généreuse, c'est une force en moi. Ça vient de moi, de mon intérieur. Hein. Dans la créativité, je suis ben, peut-être de créer un peu ma voyance par les chaînes. Hein. Ce qui me propulse, ce que j'ai envie de faire, je me donne les moyens de le faire. Pour ça, j'essaie toutes les potentiels qui peuvent s'offrir à moi. Je suis assez guerrière là-dessus parce que je veux y arriver. Je me suis fixé un but et je veux y arriver. Et là, on me dit de faire une pause pour bien réfléchir, pour bien remettre à plat et revoir certaines choses. On va voir un peu plus. Mais je suis sereine. Dans tout ce que je fais, je suis sereine. J'ai toujours été quelqu'un de sereine. C'est d'avoir la sérénité en moi, d'être toujours positive. Ça a toujours été mon point de vue. Mais en même temps, il y a quelque chose qui me guide, il y a quelque chose qui me pousse à le faire, il y a quelque chose qui me dit il faut que tu fasses ce que tu as envie de faire, ce que tu aimes. Et il y a des choix qui s'ouvrent à moi, hein, qui s'ouvrent. Hein, il y a des choix, alors le choix, la thématique, ça peut être le choix, comment se faire partager sa passion pour les cartes, comment... le choix de le faire partager, que ce soit par des réseaux sociaux, que ce soit. Et mais je suis toujours en apprentissage, on peut dire. Je suis toujours en formation sur ça. Mais dans la carte mancie, on est toujours en formation, on apprend tout le temps. Il n'y a pas des moments où on n'apprend pas. C'est toujours... Parce que ce soit dans les oracles, que ce soit dans tout ce qui peut se présenter à nous, on apprend, on apprend, on apprend. Et pour moi, je ne veux pas que ce soit un fardeau. Au contraire, je veux plutôt que ce soit un apaisement hein, dans ce que j'entreprends. Et j'ai une forte relation, vraiment une forte relation avec ce désir de faire ça. C'est vraiment ma passion, hein. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et depuis 20 ans que je le fais, je me progresse, j'avance.
Et les phases lunaires, c'est que bien souvent, je le fais le soir. Ce qui explique ce tirage de cartes. Et ce que je fais là, c'est dans la lignée, cette famille. Et c'est tout à fait vrai. Je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous. Surtout, n'oubliez pas de liker et dire j'aime. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.